Énorme ambiance au stade Vélodrome puisque les supporters de l'OM retrouvent leur stade plus d'un mois et demi après avoir vu ses protégés s'imposer face à l'Olympique Lyonnais 1-0 ici même. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre entre l'Olympique de Marseille, 4e au classement avec 30 points, et le Toulouse Football Club, 12e avec 16 points. Les hommes d'Igor Tudor qui restent sur une renversante victoire au stade Louis II, 3-2 avant le mondial au Qatar. Ils pourraient retrouver le podium de la Ligue 1 en cas de succès face aux hommes de Philippe Montagnier qui se sont inclinés lors de la 15e journée au Roazhon Park face à Rennes de Buzyn. Les Toulousains restent sur 3 défaites consécutives et n'ont que 3 points d'avance sur le premier relégable. Les Pichounes devront faire un gros match, ils veulent stopper l'hémorragie. On va regarder ensemble les compositions des deux équipes, à commencer par l'Olympique de Marseille. Paul Lopez sera dans les buts. Jigo Balerdi, Mbemba dans l'axe. Tavares, Klos en piston. Rongier et Matteo Guendouzi en milieu récupérateur. Et pour épauler, Alexis Sanchez retrouvera Dimitri Payet. Et Under le Turc, Maxime Dupé sera dans les buts de Toulouse. Silla, Nicolas Hyssen, Raoult, Kében en défense. Van den Bomen, Spiering, De Jager en milieu de terrain. Et devant, on retrouvera le trio Shelby, Dalinga et Ratao, le Brésilien. A noter hein, l'absence du côté de l'Olympique de Marseille de Amin Harit, blessé. Luis Suarez qui serait sur le départ. Et Gerson qui a été écarté. Et du côté du Toulouse Football Club, les absents sont Eile, Singaras, Géraud, Dessler qui sont blessés. Et c'est parti pour cette 16e journée de Ligue 1 2022-2023 entre l'Olympique de Marseille et le Toulouse Football Club. Tavares qui n'a pas pu sauver la touche. La touche sera pour les hommes de Philippe Montagnier. Spiering qui va écarter sur Nicolas Hyssen qui essaie de chercher dans l'axe, mais ça revient dans ses pieds. Il va écarter sur De Jager. Il va retrouver Van den Bomen qui n'a pas pu se retourner. Il y avait peut-être une petite faute là sur le néerlandais. Mais l'arbitre ne dit rien. Alexis Sanchez, superbe, qui retrouve en profondeur Jonathan Klos qui va pouvoir accélérer. Il prend de vitesse toute la défense toulousaine. Jonathan Klos toujours. La frappe, c'est contré. La tête de Matteo Guendouzi mis directement dans les bras de Maxime Dupé qui va dégager loin devant. Récupéré par Dalinga. De Jager, ah, superbe ce ballon en profondeur, mais bonne sortie du portier espagnol Paul Lopez qui va pouvoir se saisir de ce ballon tranquillement. Gigot, Dimitri Payet, le Réunionnais qui retrouve Matteo Guendouzi qui va rejouer sur Alexis Sanchez. Guendouzi, Sanchez qui prolonge ce ballon sur Dimitri Payet qui va servir Under le Turc qui arrive à se retourner, qui revient en retrait sur Dimitri Payet qui n'a pas pu frapper et c'est récupéré par les Pichounes. Van den Bomen, ah, superbe passe, on connaît son coup de pète, Van den Bomen, Shaibi, le franco-algérien qui n'a pas pu intercepter ce ballon. Under, Alexis Sanchez, Under, Klos, ah, Klos qui résiste là au pressing. Sanchez dans l'acte, pas d'une prise d'ayette, Guendouzi qui se heurte à Maxime Dupé. Et madame l'arbitre a vu quelque chose là. Alors, il me semble que c'est un hors-jeu de l'international français. Oui, il est hors jeu. Matteo Guendouzi. Et les Toulousains vont pouvoir se dégager. Maxime Dupé. Sur Ratao qui revient derrière. Sur Kében. Qui va revenir dans l'axe tranquillement. Sur Nicolas Hyssen. Spiering. Il va retrouver De Jager. Et qui perd ce ballon. De Jager sur le pressing marseillais. Mais les Toulousains ont toujours ce ballon. Avec Dalinga. Dans l'axe qui va écarter sur Shaibi et qui essaie de remettre de l'autre côté. Mais ça ne donnera rien. Balerdi, l'Argentin, qui va retrouver Dimitri Payet. Alexis Sanchez, qui va écarter côté gauche sur Tavares, qui remise sur Dimitri Payet. C'est magnifique là pour Under. Under toujours, qui va changer de côté sur Jonathan Klos dans la surface d'opération. Il ne peut pas frapper et ce ballon qui est intercepté par Silla. Mais c'est pas fini pour les Marseillais avec Alexis Sanchez qui perce la défense toulousaine. La frappe derrière et sans problème pour Maxime Dupé. Les Marseillais là qui mettent une grosse pression avec Alexis Sanchez qui n'a pas pu s'emmener ce ballon.
Ça va être dégagé par Maxime Dupé, mais il souffre. Il souffre là, les Toulousains, depuis quelques minutes, sous les assauts pressants des joueurs marseillais de Gégère, qui va accélérer dans l'axe pour Dalinga, le néerlandais là, Dalinga. Ouais, non, qui a essayé de talonner, mais ça revient dans ses pieds. Dalinga qui va écarter côté gauche sur Chebi, qui n'a pas pu remiser dans l'axe sur Dalinga. Bien anticipé de la part de la défense de l'OM. Alexis Sanchez, qui va allonger sur le côté gauche pour Tavares, le portugais, qui va remettre sur Alexis Sanchez, qui va s'incruster là dans la défense toulousaine. Le centre pour Matteo Guendouzi, la reprise derrière, en deux temps, et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Incroyable ce but du Turc. Under, avec ce coup de billard dans la surface de réparation. On va revoir ça. Matteo Guendouzi qui s'est frappé contré. Ça revient dans les pieds de Under qui se jette. Et du pied gauche, il propulse ce ballon au fond des filets toulousain. 1-0 pour l'Olympique de Marseille face au Toulouse Football Club. Et c'est mérité, hein, c'est mérité. Il domine cette première période. Les Foncéens, et attention avec De Jagère, la frappe de De Jagère. Alors est-ce qu'elle est contrée, cette frappe du capitaine toulousain? On va revoir ça. Il me semble qu'elle est contrée par Mbemba, oui, du pied, hein. Je crois qu'il la contre du pied, l'ancien joueur du FC Porto. Et ça va donner un corner pour les Pichounes. 30e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille face à Toulouse. Vandenbomen au premier poteau pour Atao, le Brésilien qui réussit à mettre sa tête et prendre le dessus sur la défense marseillaise, mais directement dans les bras de Paul Lopez qui va relancer la main sur Balerdi. Valentin Rongier qui revient derrière sur Balerdi, Under qui perd ce ballon. Ça va être récupéré par les Toulousains avec Nicolas Hyssen, non, Matteo Guendouzi était sur la trajectoire du ballon. Il peut relancer sur Dimitri Payet, Under. Dimitri Payet qui va remettre ce ballon à Under. Under qui va accélérer. Superbe pour Alexis Sanchez qui est hors jeu. Le Chilien. On va revoir ça. Ah oui, mais de très très peu, hein, là. Ce hors jeu de Alexis Sanchez. Le meilleur buteur en championnat de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Avec 5 buts. Dimitri Payet. Under. Ah non, cette talonnade là qui est mal faite là. De la part du Turc. Vandenbomen. C'est trop vite perdu là. Ces ballons du côté toulousain. Dimitri Payet qui revient derrière sur Tavares. Guendouzi. Qui remise sur Alexis Sanchez qui talonne là. Mais c'est mal fait là. Et attention, ne pas rentrer dans la facilité du côté marseillais et respecter cette équipe toulousaine. Alexis Sanchez dans l'axe pour Under, bien se retournant qui frappe, mais sa frappe n'est pas assez puissante pour inquiéter Maxime Dupé. Mais de toute façon, il était hors jeu. Et encore une fois, de très très peu, hein, ce hors jeu. Ils sont à la limite, hein, les Toulousains là, attention. Pour les hommes de Philippe Montagnier, Maxime Dupé pour dégager le quart. Matteo Guendouzi peut récupérer ce ballon. Tavares, Alexis Sanchez, Dimitri Payet. Il va jouer dans l'axe. Under, le doublé. La frappe d'Under. Et quel arrêt. Quel arrêt miracle de Maxime Dupé qui propulse ce ballon en corner. Incroyable cette occasion. Corner pour l'OM avec Dimitri Payet qui va le frapper, le joue à deux avec Alexis Sanchez qui est face à Kében. Oh, petit pont, c'est magnifique. Et derrière, il s'est bien rattrapé, la Kében. Et Maxime Dupé peut dégager loin. Spearing. Attention, il perd ce ballon là avec Matteo Guendouzi qui revient dans l'axe sur Under. La frappe d'Under, elle était vicieuse, cette frappe à terre du Turc.
Ah, il s'en veut là, Under. On revoit cette passe de Matteo Guendouzi. Ça met bien ce ballon, Under. Il frappe. Et la main ferme de Maxime Dupé. Corner pour les Marseillais dans les arrêts de jeu de cette première période. Dimitri Payet au premier poteau. Oh, la reprise de volée, c'est contré. Ça sera un nouveau corner. On va revoir ça. Il te frappe. J'ai pas vu qu'elle était touchée. Pourtant, ce ballon. Corner pour les Marseillais avec Dimitri Payet. Alexis Sanchez de la tête, mais ce ballon. Il vient juste au-dessus de la cage de Maxime Dupé et l'arbitre qui siffle la pause sur ce score de 1 but à 0 pour l'Olympique de Marseille grâce à Under à la 28e minute de jeu. On se retrouve pour la deuxième période. Allez, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps pour le compte de cette 16e journée de Ligue 1. 2022-2023 entre l'Olympique de Marseille et le Toulouse Football Club avec les Marseillais là à l'attaque avec Tavares, le Portugais dans la surface d'opération, il préfère revenir en retrait sur Dimitri Payet pour Under qui va écarter sur Tavares qui va revenir derrière sur Under pour Matteo Guendouzi, la frappe de Matteo Guendouzi, l'arrêt superbe de Maxime Dupé qui fait un énorme match, hein. Le portier toulousain revoit cet arrêt main opposée de Maxime Dupé. Qui comprend pas là, qui comprend pas du tout ce qui lui arrive. Lâché par sa défense, littéralement pour le moment. Alors là, c'est dégagé de la tête. Gigot qui peut récupérer, qui va écarter sur Klos pour Alexis Sanchez. Là qui prolonge à Dimitri Payet et le deuxième but pour l'Olympique de Marseille. Grâce à cet homme, Dimitri Payet qui marque son deuxième but de la saison. Le Réunionnais. On revoit ce but, cette frappe instantanée de Dimitri Payet. Et cette fois, Maxime Dupé ne peut absolument rien faire. Il est trop court. Il essaye de mettre sa jambe en opposition. Mais Dimitri Payet trouve la faille. 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille face au Toulouse Football Club. Valentin Rongier, Under, Alexis Sanchez. Jonathan Klos qui va accélérer. Jonathan Klos, il attend du soutien. Oh, petit crochet, c'est magnifique de l'ancien Lensois qui tend sa chance. Et l'arrêt de Maxime Dupé qui s'est pas laissé avoir là. Il est bien resté vers son poteau. Il n'avait pas anticipé le centre. Et ça va donner un corner pour les Marseillais. 52e minute de jeu, toujours 2-0. Pour l'OM face à Toulouse. Klos pour le frapper. Il va jouer à deux avec Under. Under toujours. Et qui trouve Klos. Et qui est contré par le néerlandais Spiering. Et qui est bien pressé là par Klos qui fait un gros match. Là Klos. Lui qui n'avait pas été pris là pour la Coupe du Monde. Il veut prendre sa revanche. De Jagger en profondeur. Non, ça ne demande rien, mais c'est récupéré par les Toulousains, ce ballon en profondeur, mais superbe anticipation de Gigot, qui va retrouver Chancel Mbemba. Klos. Valentin Rongier, le capitaine marseillais, qui va retrouver Matteo Guendouzi, qui retrouve Valentin Rongier, qui retrouve Under. Under, qui va servir Rongier, qui va redonner à Matteo Guendouzi, Under. Under qui est pris, récupéré par les Pichounes. Et ce long ballon magnifique sur Shaibi qui balance en profondeur d'Aninga, mais c'est mal donné. C'est mal donné, c'est directement sans problème dans les pieds de Gigot. Mbemba. Ouh là là, c'était pas appuyé, cette passe Mbemba. Ça aurait pu être très dangereux. Klos. Dans l'axe, par Alexis Sanchez. Dimitri Payet qui n'arrive pas à se retourner. Il est bien pressé, mais il fait un bon pressing là. Under, Dimitri Payet qui peut prendre ce ballon. Non, cette fois, ça n'en aura rien. Et les Toulousains peuvent relancer la machine. Ratao qui va lancer en profondeur d'Aninga, le néerlandais, qui va jouer sur De Jagger, qui va lancer en profondeur le brésilien, Ratao, Talax, pour D'Aninga, la frappe de D'Aninga, il arrive superbe de Paul Lopez, devant D'Aninga, qui était tout proche de marquer son quatrième but de la saison. D'Aninga et changement du côté d'Igor Tudor,
avec la sortie de Balerdi pour l'entrée de Eric Bailly, l'ancien joueur de Manchester United. Corner pour les Toulousains, Van den Bomen qui joue avec Ratao, superbe crochet, il est rentré dans la surface de réparation, il va retrouver Van den Bomen, Ratao qui revient en retrait sur De Jager, mais Matteo Guendouzi était sur la trajectoire, il peut lancer Dimitri Payet, le réunionnais, qui va retrouver Alexis Sanchez, le chilien, Dimitri Payet toujours, oh magnifique, cette passe dans le dos de la défense toulousaine, Tavares, le portugais qui est face à Keben, qui va remiser sur Guendouzi dans l'axe pour Valentin Rongier. La frappe de Valentin Rongier directement dans les bras de Maxime Dupé qui va relancer à la main, mais directement dans les pieds marseillais. Klos, Rongier, Guendouzi, Payet, Guendouzi, Payet. Magnifique, ça combine bien là du côté marseillais, mais derrière, ça ne frappe pas. Et les Toulousains peuvent récupérer ce ballon, mais ils le perdent aussitôt. Under, non, il sera un peu court, Under, mais les Marseillais ont toujours le ballon avec Alexis Sanchez, la frappe, c'est contré, ça revient dans ses pieds, refrappe, Matteo Guendouzi récupère ce ballon, la frappe de Matteo Guendouzi, l'arrêt superbe de Maxime Dupé. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match, toujours 2-0 pour les Marseillais avec ce ballon en profondeur pour De Jager qui face à Bailly, qui va retrouver Dalinga qui face à Gigot, qui va centrer, second poteau, la reprise de volée, magnifique. Et un super barré derrière de Paul Lopez et Fares Chaibi qui va sortir à la place du Marocain Zakaria Aboukal, auteur d'un but en Coupe du Monde avec le Maroc. Quelle occasion pour les Toulousains. Vanden Bomen qui joue à deux avec Ratao qui revient à retrait sur De Jager dans l'axe pour Raoult, le défenseur central toulousain qui rate le cadre. Et changement du côté de Philippe Montagnier avec la sortie de Dalinga pour l'entrée de Ado Onayou. Du côté toulousain. Et on est rentré dans le dernier quart d'heure de ce match. Toujours 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Gigot. Guendouzi. Payet. Alexis Sanchez qui retrouve Ender. Under, oulala, attention, là il est taclé par derrière, l'arbitre ne dit rien, et les Toulousains peuvent repartir. Onayou, De Jager, il va retrouver dans l'axe, Van den Bomen, et il a une bonne frappe pourtant, Van den Bomen, il n'a pas tenté sa chance, et Gigot a pu récupérer ce ballon, Guendouzi. Et oui, Under, il reste là sur le coup qu'il a pris tout à l'heure, là, il reste au sol, il y a Alexis Sanchez qui est venu à son chevet. Bon, il a l'air de souffrir, le Turc, là. On va revoir ça. Ouais, il s'est jeté derrière. Il s'est fait mal, là. Under. Et d'ailleurs, il va sortir. Il va sortir, Under, pour l'Olympique de Marseille. Et coup dur, hein. Coup dur, là, pour les Marseillais. Cette blessure de Under. Bailly. Et c'est Bamba Ndiaye hein, qui est rentré, le Sénégalais, pour le supplier. Alexis Sanchez qui va écarter côté droit sur Klos, qui est face à Silla. Klos et superbe interception de Silla qui peut redonner à Aboukal pour Onayou. Qui rejoue côté gauche sur Van den Bomen. Qui va rejouer en profondeur pour Onayou. Qui va accélérer Onayou. Il a de l'espace. Il préfère attendre du soutien Onayou. Ce ballon est contré pour Van den Bomen. Ouh là 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 là. Il n'a pas pu frapper. Heureusement qu'il y avait un retour pour les Marseillais de Matteo Guendouzi. Dimitri Payet. Matteo Guendouzi. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui va rejouer dans l'axe sur Bamba Ndiaye. Eh non, derrière le Sénégalais là. Qui fait un mauvais choix. Et une passe mal appuyée. Et ça va être récupéré facilement par les Pichounes. Spearing, côté gauche pour Aboukal. Aboukal en profondeur, c'est magnifique pour Silla, il n'est pas hors jeu pour Onayou qui réduit la marque. Onayou qui vient réduire la marque à 2 minutes de la fin de ce match. Le rentrant et permettre aux Toulousains de pourquoi pas y croire pour la fin de ce match. On revoit cette superbe occasion là des Toulousains, super bien emmenés. Ce centre de Silla pour la reprise de Onayou qui ne laisse aucune chance. Il est à un mètre de Paul Lopez qui peut absolument rien faire. Le portier espagnol, 2-1.
Pour les Marseillais, pour le moment, face à Toulouse. Mais ce but va redonner confiance, là. Attention, attention pour les Marseillais, là. Parce qu'on va rentrer dans les arrêts de jeu. Il y aura peut-être une dernière occasion pour les Toulousains. Et là, vous voyez, ils se battent, les Toulousains, avec Onayou, qui va écarter sur De Gégère, qui va retrouver Sperry, petite louche pour Onayou, qui arrive à se retourner. Ouh là 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 là, il a essayé de décaler de l'autre côté. Et heureusement que cette passe n'était pas appuyée. Peut-être le contrôle marseillais avec Klos. Klos qui s'emmène bien ce ballon. Il est face à Nicolas Hyssen. Klos qui va retrouver Alexis Sanchez dans la surface d'opération. Qui essaye de retrouver Dimitri Payet. Il le retrouve. Qui décale Tavares. Qui frappe le portugais. Mais c'est contré par la défense toulousaine. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Victoire de l'Olympique de Marseille. 2-1. Et qui mettent les Marseillais à la pression sur le Racing Club de Lens. On verra le résultat. Des Lensois et surtout des Rennais. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.